Tous les samedis soirs, 8h sur Télé Anacaona, Roger Chitard, Bovine Gade, Roupie Culturelle TV Show. Une émission capotée interview avec attention, rencontre avec des promoteurs, flash d'informations sur le coronavirus en Haïti et en diaspora, des moments spirituels pour nos capis bien vivre et tout ce doué qu'on est sur la culture haïtienne. Chaque samedi, 8h du soir, sur Télé Anacaona, Roupie Culturelle TV Show, côté information et promotion. Amis téléspectateurs, nous saluons, nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle édition de Roupie Culturelle TV Show. Nous la chaque week-end, particulièrement le samedi et le dimanche à compter de 8h du soir, nous portons pour vous l'actualité culturelle et sociale. Pour journée aujourd'hui, au niveau culturel, nous pourrons parler de deux peintres haïtiens qui ont bien fait dans le pays Canada. Nous pourrons prendre le temps dans l'émission journée aujourd'hui pour nous présenter deux mounsaos qui définitivement a fait la peinture haïtienne plus belle dans le Canada. Dans la deuxième partie du programme, nous avons gagné une seconde émission Panorama Social. Côté que pour journée aujourd'hui, la collaboratrice Nkodi Love, il y a un reportage concernant un programme que le président américain Joe Biden a gagné pour Haïtiens avec l'autre nation. Côté que il a invité plus de 30 000 personnes pour être capable d'entrer dans le pays dans un programme spécial. Mais malheureusement, il y a des républicains, des États républicains aux États-Unis qui n'ont pas d'accord. Et nous allons venir avec tout détail qu'on doit connaître. Et puis, dans la troisième partie du programme, nous pourrons gagner une performance Yvette Leblanc. C'est un artiste qui a bien performé le week-end qui se passait là, dans la soirée Famille Petite Maman Marie, qui est une organisation non-profit qui a ramassé fonds pour être capable de bâtir l'école dans le pays d'Haïti. Nous sommes là, nous sommes sous place. Nous pourrons faire vivre la performance Yvette Leblanc qui est arrivée sur le grand public. Bienvenue à l'émission du jour, Roupie Culturelle TV Show. Nous proposons tout coûte, nous tournons. Sunrise School of Nursing, c'est une école de formation pour les professionnels de la santé qui offre Associate of Science in Nursing on campus ou bien online, Practical Nursing Program en 12 mois on campus, Nursing Assistant Program en 10 semaines on campus. Des points intéressés, relevez 954 765 69 19 ou bien visitez Sunrise School of Nursing qui est dans 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Online, c'est sunrisenursingfl.com. Avantage pour vous, c'est que la situation offre le matin, le soir, en fin de semaine ou bien online. Et même si vous habitez en dehors de la Floride ou qu'après la situation, relayez pour plus d'informations dans 954-765-6919. La situation dispensée par des professeurs qualifiés et expérimentés qui maîtrisent dans le domaine de la santé. Sunrise School of Nursing, fondée et dirigée par professeur Lynn Chancy, nurse practitioner qui maîtrise et puis tout de longues années d'expérience et de bonne réputation dans préparer élèves pour passer examen l'État et offrir assistance travail. Sunrise School of Nursing, licencié et approuvé par l'État de la Floride avec Florida Board of Nursing. Adresse 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Téléphone 954-765-6919. Online, sunrisenursingfl.com. Tous élèves qui graduent dans Sunrise School of Nursing sont des leaders dans le domaine de la santé, quel que soit côté au travail. Amis téléspectateurs, nous apprécions qu'on ait été branchés au Pays Culturel TV Show pour journée aujourd'hui. Jacques a annoncé en début d'émission, nous pourrons parler de deux peintres haïtiens qui brillent actuellement dans le pays Canada. Un reportage. En effet, amis téléspectateurs, les œuvres des artistes haïtiens Clovis Alexandre Desvarieux et Carl Philippe Simoniz sont actuellement exposées jusqu'au 19 mars 2023 à la Maison de la Culture Claude Léveillé dans le pays Canada. C'est une exposition qui mettait en relief ces deux artistes qui, journée aujourd'hui, a bien passé dans le pays Canada. Et côté que la mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, parc extension, lui invitait le grand public pour être capable de visiter les peintures de ces deux artistes haïtiens.
N'a signalé que le peintre Clovis Alexandre Desvarieu prend naissance dans Port-au-Prince en 1986. Il grandit dans le pays d'Haïti avant que l'y immigré vers les États-Unis, ensuite dans le pays Canada. Dans l'année 2011, l'y obtenu un baccalauréat comme ingénieur et l'y a travaillé dans le pays Canada depuis plusieurs années. C'est une artiste peintre qui a brillé dans le Canada dans le moment. Bon côté parlé, car Philippe Simonise, c'est un cinéaste, directeur photo, c'est un photographe et artiste contemporain très connu dans Montréal. Car Philippe prend naissance dans Port-au-Prince, il grandit pratiquement dans le pays d'Haïti avant qu'il ait installé dans le pays Canada depuis plusieurs années. C'est une véritable passion que lui gagnait pour la culture ancestrale haïtienne qui est très riche en surnaturel et c'est ça que lui peint dans ses tableaux selon tout ça que vous avez constaté dans l'exposition que l'a fait actuellement. Donc, amis téléspectateurs, ces deux artistes d'origine haïtienne, Clovis Alexandre Desvarieu, ainsi que Karl-Henri Simonise, gagnent un peinture qui est actuellement exposé jusqu'au 19 mars dans Montréal, Canada, à la Maison de la Culture Claude Léveillé. Publicité, c'est premier coup de guidon. Tout business doit faire pour continuer à exister. Quitte un business qui fait que l'ouvrir, quitte un business qui l'a des pics d'ici dans le temps, quitte un produit, un service ou bien un événement social, culturel, politique ou soirée dansante, confiez votre production et promotion à Rupi Production Television Network. Relez 954 729 2214 Jodia ou bien 973 517 6308 pour la promotion de vos activités. Rupi Production Television Network gagne des émissions tous les jours sur différents plateforme locale, nationale et internationale. Fait publicité pour business ou kalache. Bienvenue dans Panorama Social. C'est une bonne émission qui est présentée par collaboratrice Nkodi Love. Il est vrai que ça va le faire quelques semaines. Nous pas bien Panorama Social. Eh bien, nous contents pour nous annoncer que Panorama Social retourne pour la plus belle. Côté que à chaque émission, on a gagné des informations à caractère social qu'a développé dans ce segment ça. Pour aujourd'hui, nous allons parler de programme migratoire que le président américain Joe Biden a gagné pour Haïtien à l'autre nation. Côté que plus passé 30 000 monde capable d'entrer aux États-Unis dans un programme spécial. Côté que des bénéficiaires capables de sponsoriser des monde pour rentrer dans le pays. Mais malheureusement, nous apprenons que il y a 20 États américains républicains qui n'ont pas d'accord avec le programme ça. Collaboratrice Nkodi Love, un reportage complet sur dossier si là. Journal Miami Herald fait connaître dans un article gain 20 états qui décidé poursuivre gouvernement fédéral américain la justice pour programme humanitaire que administration président Joe Biden mettait sous pied qui visait pour faire entrer chaque mois dans pays États-Unis pendant 2 ans. 30 000 migrants cap sorti Nicaragua, Venezuela, Cuba ak en Haïti. Mardi 23 janvier 2023, 20 états sa yo déposé yon plainte devant tribunal fédéral Texas. Yo blâmé programme nan pour yon violation loi fédérale sous immigration ak yon excès pouvoir exécutif. La loi fédérale autorise département américain à sécurité intérieure offrir une libération conditionnelle au cas par cas et uniquement pour en pile raison humanitaire ou intérêt public. Nouveau programme ça pral permettre également à moun ki pa respecte bar sa yo recevoir yon prestation signalé état sa yo nan plainte yo te bay la cour fédérale. De fait, yo considéré politique migratoire administration Biden nan comme étant yon crise humanitaire qui affecte état yo ak diverses communautés. Selon yo, programme humanitaire qui invite plusieurs milliers d'immigrants mette piye yo sous terre américain chaque mois, pral seulement aggraver crise immigration pays a fait face. État qui en opposition poursuite programme humanitaire, c'est Texas, Alabama, Arkansas, Alaska, Floride, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio,
Caroline du Sud, Tennessee, l'Utah, la Virginie et Wyoming. Yo fè konnen nan demach yo, program sa kontone kongre a, mette en place yon ansanm de visa de facto san yon aprobasyon legislatè yo. Juj Ameriken ki sou posè sa, se Andrew Lipton, yon juj proche republikan yo ki te nomé par ansyen prezidan republikan Donald Trump e ki deja patisipe nan blokaj de certain dosye imigrasyon ke administrasyon Biden nan te mette en plas. An fevriye 2021, juj Andrew Lipton te prononse yon injeksyon de 14 jou kontan moratoire prezidan Joe Biden pou deportasyon yon kantite imigran ayisyen. Selon jounal floridien yon, prosesa ap fe valwor nan kad Floride pral koute etay yo de milyon de dolar ak an pil resous important de l'Etat tankou edukasyon publik, soin sante, servis a viktim violans domestik yo ak an pil etablisman koreksyonel. Prezans etranje ilegal sa yo nan Floride viole interè kazi souveren eta nan teritwa li ak bienèt sitwayen li yo. An Haiti, nouvel sa te kreye an pil panik nan mitan yon bon parti nan populasyon wan ki te deja komanse prepare dosye yo nan biro identifikasyon nasyonal, servis imigrasyon ak a travè divers sant vaksin kontan koronavirus. Dapre eksplikasyon, yon jen ki nan trenten, li fè konen objektif la nan mouman an, li kler, yo vle kite peyi d'Ayiti pou yo echapè ak ensekurite ya ki pasispan vale teren, povrete, kidnapin, gran gou, mize ak instabilite politik la. Dapre yon spesyalis, program lan pou ko bloke. Li ankoraje interese yo pou yo rempli o plu vit ke posib formalite prosedur yo. Se spesyalis yo fe konen tou ke juj ki te nomé par prezident Donald Trump lan ta ka bloke program ke yo kalifiye ilegal par 20 gouverneur republikan yo. Prosedur judisye la depose nan yon tribunal federal nan Texas par 20 etat sou kontrol republikan yo. Plizyèr dizen ayisyen deja sou teritwa ameriken yan nan kad program sa. Prosedur yo te finalize rapidman, rejwi an pil lide nan kominote ayisyen nan premier beneficyèr program sa deja identifiye nan vil Boston ak nan Miami. Floride, ki gen yon importante kominote diaspora, figure parmi prinsipo etat kontestater yo. Avoka Frandley Julien fèt konen, plente ki depose par 20 etat yo, pa reyuni ase eleman pou kampe definitivman program humanitèr. Yon observate fè konen, inisiativ administrasyon Ameriken nan ki vize pou permèt imigran rentre legalman os Etats-Unis, deja permèt yon kontrol beaucoup plus strik otou frontyèr Amerikano-Meksiken, kantite imigran ki te kon frekante espasa diminye. Vendredi 27 janvier 2023, d'après chaîne télévision CNN, sou plus passé 7500 migrants qui autorisés pour venir aux États-Unis dans cadre nouveau programme migratoire Joe Biden là, gagné 2000 haïtiens là-dedans. Données CNN yo fait connaître plus passé 800 Nicaraguayens, environ 2000 haïtiens et plus que 4700 Cubains te autorisé pour rentrer dans le pays États-Unis. C'est 25 avril prochain que yon tribunal dans Texas fixé pour pencher sous plainte yo. Entre-temps, selon information officielle yo, programme nan pa campé. Moun ki vle capable continuer appliquer en attendant que juge Drew Tipton qui en charge dossier ya prend yon décision.
Rappelons que ce programme a pour objectif de permettre à 30 000 ressortissants du Venezuela, du Nicaragua, de Cuba et d'Haïti d'entrer aux États-Unis pour au moins 24 mois, moins un an, un sponsor. C'était Cody Love pour Harpy TV. Pierre Tax Group, Tarmé, faut qu'on ait que c'est dans 15800 Pines Boulevard, dans suite 304 Pembroke Pines, Florida, dans Hampton Business Center, que la file taxe pour nous tous qui dans 50 États aux États-Unis. Rue 954-362-5199 pour file taxe comme ça doit. Pierre Philanthrope, il y a plus passé 25 années d'expérience dans file taxe personnel coût business et il y a un master degree en loi of taxation aux États-Unis de l'University of Florida, qui c'est top 5 dans l'école loi taxe aux États-Unis. Et pas oublier que Pierre Philanthrope recevra École Business Award de Miramar Pembroke Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Et Pierre Philanthrope complété Designation of Fellow of the National Tax Practice Institute, qui est un titre offert à Enroll Agent, CPA, avec avocat pour représenter client devant IRS. Pierre Philanthrope, c'est un expert en taxe qui paraît pour fil taxe ou face à face ou bien virtuel pour quel que soit état quoi vivre aux États-Unis. Messieurs, dames, saison taxe à l'ouvrir, confiez Tax 8 à nous à un expert. Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group qui est dans 15800 Pines Boulevard dans suite 304 Pembroke Pines, Florida dans Hampton Business Center. Website pierretax.com, téléphone 954-362-5199. Avec Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, ou file taxe comme ça doit devant la loi pour Kadomi Kimbozé. L'émission du jour se poursuit, amis téléspectateurs. Nous vivons un moment côté que nous parlons fort vivre. Un extrait de une soirée particulièrement réussie qui était faite week-end dernier du côté de Margate, État Floride. Ces soirées qui étaient organisées par l'organisation Kipotenon, Association Famille Petite Maman Marie. C'est une organisation non-profit qui a ramassé fonds dans la diaspora pour capable bâtir l'école dans le pays d'Haïti. Nous étions là, nous étions présents. Ce soirée était très longue, qui était une pile belle bagarre qui était faite là-dedans. Mais il y a une performance qui attire l'attention, c'est la performance artiste Yvette Leblanc qui était bien déposée. Nous allons faire vivre comment ça t'est avec Yvette Leblanc. J'irai les branches de la lune, j'irai jusqu'au bout du monde, si tu me le demandais. En lumière irai de moi, je ferai les portes grandes, si tu me le demandais. S'écouler et la terre peut bien s'effondrer, peu m'importe les problèmes, je me fous du monde entier. Comme la rue, une autre des matins, comme mon corps traduira sous ta main. Les problèmes, mon amour, puisque tu thank you.
On a boit de tout ça pour l'hiver que plein les amis. Avec mon excellent tout bon qui s'est accompagné de tout. Ça fait le cap-pagan. Ça fait le cap-pagan. Ça fait le cap-pagan. Ça fait le cap-pagan. Nous arrivons dans le dernier bout de l'émission journée aujourd'hui. Nous espérons que nous t'es pratiquement arrivé sous avec ça que nous t'es poté comme information dans l'émission Roupi Culturel TV Show pour journée aujourd'hui. Nous m'appelons casser rendez-vous week-end prochain pour une nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show sur télé Anakaola. Ici Jude Onse, non pas M. Roupi. Bon week-end et surtout bonne semaine. Tous les samedis soirs, 8h sur Télé Anakaona, Roger Chitard, Bovine Gade, Roupi Culturel TV Show. Une émission capotée interview avec attention, rencontre avec des promoteurs, flash d'informations sur le coronavirus en Haïti et en diaspora, des moments spirituels pour nos capis bien vivre et tout ce qu'on connaît sur la culture haïtienne. Chaque samedi, 8h du soir, sur Télé Anakaona, Roupi Culturel TV Show, côté information et promotion.